c'est les matchs de placement. Évidemment, on va les gagner, hein. Pas déconner. On est avec les collègues. Attends, mais c'est les Français en plus. La foudre. Ah bah attends. Je passe à la TV. Ah, d'accord. On s'est fait sniper. Okay. Attends. Oh là, c'est une fougère lui. Bon, pas les couilles moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais le faire bloc moi, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, non, ah j'avoue, j'avais oublié que j'étais niveau 3. Hein. Je l'ai vu qu'après. Bah les couilles, on se balade. Mais voilà, on se balade tellement, putain. Attends. Quelques mecs qui prennent de la D, quoi. T'inquiète, les boulettes. Alors. Alors, Fukano, est-ce que tu sais? Ça le truc. Ça doit être un truc qui doit s'appeler Skyheart normalement. Quelque part, il y a un fichier. Somewhere. Oh putain, oh putain. Putain, j'ai failli check là. Non, en tout cas, le Mastery là. Oh, il part à deux. Oh le con. Alors, en tout cas, il est fou. Ah, il a niqué la game hein, parce que. Ah, clairement, faut partir à pied quoi. Bon, ça doit pas être des monstres. Ça va pas être des monstres du tout même. On va regarder d'ailleurs. Mais là ouais alors faut être fou là. Hein. Enfin quand tu chopes un mastery en arame, tu peux gagner tout seul donc. Par en AP. Un excellent conseil. Alors. Voyons voir. Donc il y a forcément du matchmaking également en arame. Comme dans tout. De toute façon dans tout il y a du matchmaking, dans les normal games également. Oh là là. Oh putain, est-ce que j'ai pas le seum là? Et voilà, Daboulou. Hop là. Oh non, fallait faire activer la boulette sur ton compa Ryze. Bordel. Bon, je vous annonce qu'il va mourir. Je donne tout sur le Ryze. Hein. Et il se régène. Il y a des potions. Ça sert à rien les potions, mec. C'est old school ça. Autant crever, hein. T'en fous ton arame. Attends. Ryze. Putain, oh là là, la régène. Sa mère. Attends, c'est fou là. C'est drôle la foudre. Je cavale. Alors. Easy man, easy. On est reparti. Alors. Ben voilà, easy. Balading. J'arrive. Eh, je suis bientôt 6. Oh là 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 là. Oh! Ah, est-ce qu'il est déçu? T'inquiète, mec. Regarde la boulette. Regarde la boulette. Pedro. Ah, Pedro, il est. Pedro, il est mort. Ouais. Bah, je dirais pas non, mais là, je suis en train de télécharger. Je l'ai dans quelques heures. Donc. Après, non, bah, je préfère qu'il me mette, personne. Mais sinon, t'inquiète, c'est pas grave. Merci, bro. Mais sinon, t'inquiète, t'en bats pas. Hein. C'est parfait ça, c'est bon ça. Attends, on appelle ça un tower dive sur du sur de la rame. Non. Attends, t'es mort. Ah ouais. Eh non mec. Je farm. Baited. On l'a. J'avoue, dans une Katarina, on est pas mal aussi. Clairement, elle est pas partie à DL. Hein. Il a bien compris. Easy peasy, bro. Easy peasy. On bat les couilles, mec. Là, il va avoir les crocs. La boulette. Ouh. Easy, man. Oh putain. What? Et d'où il a la vision là-dedans, là? Attends, mais comment il me voyait, là? J'ai pas compris, là. Je n'ai pas compris, bon c'est pas très grave. Mais j'avoue j'ai pas compris du coup là comment il faisait pour avoir la vision dans un bush. Chelou quand même. Un peu chelou. Mais bon, soit. Très bien. Est-ce que je suis full pénétration? Je suis full pénétration, c'est parfait. Mon ulti. Ah ouais merde, ton ulti. Ah ouais, j'avoue. Right. Je croyais que ton ulti était en dehors du bush, mais c'est vrai qu'il est rentré un peu dans le bush et puis il m'a cramé, effectivement. Tout à fait raison. Exactement ça.
Putain, j'ai fait du gold hein. Oh là 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 là. What? C'est sérieux? T'as cavalé cette merde. Merci. Et voilà, on est là. On fait des ASU. On fait des ASU. Ah bah ouais, clairement, bah oui, je KS, hein. C'est sûr. Of course, man. Je ne prétends pas le contraire. Oh, il est vénère. Oh, il est vénère. Oh, il est vénère. Non, juste pour le troll. Ah merde. Attends, j'ai vite full stuff là. Oh là. Oh man. Parfait. Easy peasy, bro. Oh là là, il a pas aimé. Attends, j'ai mon ulti là. J'aimerais bien crever en fait. Comme ça, j'achète mon Last Whisper et je pourrais faire une ulti 11 au début dès que je serai niveau 11. Oh, il est vénère. Oh, il est vénère. Oh, on a cru que vous, ah non, il a AD aussi. Mais non, les gars, vous n'avez pas compris le jeu. On nous sommes dans la rame. Il faut jouer à Pekari. Oula, par contre. Sorry. Sorry, Fiddlesticks. We are absolutely sorry. Bon, c'est pas grave. Oh, il rentre dedans. Ah, juste, il a une fille, un frag. Ça a été pas mal. Non, le dot. Embrasse, c'est pas grave. J'aime bien. Nickel. Black Cleaver. Hop, hop, je suis bientôt full stuff. Avec PGG, je vais avoir la sauce de damage. Ça va être énorme. Ça va être énorme. Les bots, non, pas besoin de bots. Elle est suffisamment sexe comme ça. La Miss Fortune, no need, man. Ça, c'est surfait. Hein. C'est surjoué, les bots. C'était avant. Merci. Et on est reparti. Merci mon ami. Hey, bientôt full stuff. Vous allez voir là, clairement les dégâts. Là déjà, en termes de péné, là, clairement, croyez-moi, ça va pénétrer. Ça va faire les dégâts. Ils vont pas kiffer du tout. Oula, oula. Oula. Non. Fucking attack speed, man. La boulette! Oh no way! Putain! J'avais un petit canon quoi. Par contre, no kidding, hein. Hier je me balade dans les rues de Bordeaux. Et qu'est-ce que je croise? Je croise un mec qui. Et véridique, hein. Je croise un mec qui. Genre il est à côté du tram et il se fait péter la gueule. Et le mec il se mange sur le tram et tout. Genre le mec mais vénère, hein. Un mec plutôt un look un peu racailleux et tout. Et genre là, tranquillement. Alors moi je commence à regarder qu'est-ce qui se passe et tout. Genre il est un peu vénère, il sort une sacoche. Et là le mec il sort un gun. Un flingue quoi, et là je me suis dit ah, mec. Et là j'ai pas essayé de voir ce qui s'est passé, j'ai couru. Ah non mais vraiment c'est véridique mec. Et clairement je me suis chié dessus hein. Donc voilà, je me suis dit Skyar tu te casses. Bon quelques dégâts, tu te casses parce que le mec il va se dire ouais il me regarde chelou lui. Je vais lui mettre une bastos. Non on va courir. Donc j'ai couru très vite en mode discret, en mode fufu. J'ai pas crié, je suis parti en mode discretos, genre en mode oh putain. Et non mais c'est vrai mec, c'est vrai le pire, c'était à la victoire mec. C'était au centre-ville de Bordeaux, clairement le mec il se fait défoncer sur le tram de centre-ville. Et le mec tellement vénère il tombe par terre, genre mais défoncé et tout, genre mec il se relève vénère et tout, là, il sort un gun, il faut oh gosh. Je suis ok. Et clairement je n'ai pas cherché à comprendre ce qu'il y avait, j'ai couru. Donc voilà. Clairement je me suis vu, enfin laisse tomber mec. Clairement j'ai jamais couru aussi vite mec. Encore pire quand il y a les contrôleurs quoi. En tout cas les contrôleurs je cours vite aussi mais là c'est encore pire quoi. Non j'étais avec deux potes et genre ils ont rien vu tu vois, genre ils partaient en mode normal et tout. Moi je vois une baston tu vois, je regarde un peu. Mais là j'ai vite compris qu'il fallait pas rester longtemps donc ma curiosité a failli m'emporter. Et rassurez-vous, j'ai très vite couru, je me suis dit bon demain je stream hein. Donc voilà, on va éviter de crever aujourd'hui. Mais non mais ah, hallucinant quoi, enfin je me suis chié dessus quoi. Enfin, j'avais jamais vu un mec faire ça en vrai, donc du coup ça m'a un peu fait bizarre en fait.
Parce que des guns, j'en ai déjà vu, genre dans les FAMAS, les trucs dans les gares et tout, mais eux, tu vas bien, bon, il va pas te tirer dessus, quoi. Là, le mec, il était complètement défoncé. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il va faire une connerie, quoi, et je vais pas trop kiffer, tu vois, donc on va fumer. Donc, voilà, la première fois que je voyais un flingue comme ça, par un mec un peu défonce, là, et un peu flippé, quoi. Donc, ouais, tendu, hein. Ah, mais ouais. Ah, c'est rigolo maintenant, mais clairement, je faisais pas le malin. J'ai couru comme un gros lapin là. Je dois battre les couilles, clairement. Oh putain. Ah, merde, il y a encore la vision. Fuck my life, fuck my life, fuck my life, dude. Ah, oh merde, putain, j'ai failli one shot. Bonjour Louis. Apparemment. No! 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 Yeah baby! Yeah baby! Yeah baby! Ra! Viens te battre! Je me guéris! La boulette! La boulette! Auto-attaque, Q! Auto-attaque! Oh no! Oh my holy moly dude! Bon, j'avais pas mal de gold. C'est pas mal. Et voilà, ça y est, je suis full stuff, c'est officiel! On est parti! What? On peut faire on peut faire un livre vorace alors qu'on peut faire. Enfin, c'est que pour les mêlées. C'est bien ça! Les gars, si je faisais un item qui me sert à rien. Nickel, validé. Oh merde, sorry. On rate un peu l'action. Et voilà. Alors là vraiment. Vraiment, si je les tue pas, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que là, j'ai vraiment un mire de dégâts. La balade, et voilà, on se balade. Ah mais clairement je pense que Shane Bolt il a non mais mec mais je me suis chié dessus hein. Non il y avait genre une dizaine de personnes et il se battait avec trois mecs genre un truc comme ça tu vois genre j'ai vu un mec qui le défonçait mais genre il se faisait maraver hein. Et du coup bah il a touché un peu. Et là l'autre mec bah je sais pas ce qui s'est passé mais là, j'ai couru direct mais après j'ai vu qu'en fait j'étais pas le seul à avoir vu parce que j'ai eu pas mal de gens aussi partir très très vite donc clairement là c'est le ghost flash mec j'aurais tout claqué hein. Donc j'étais pas le seul à l'avoir vu parce que j'ai vu que au début c'est comme dans une baston il y a toujours plein de gens qui commencent à regarder t'sais. Mais là c'était ça s'est très vite résorbé hein. Au final alors avant dans les collèges on ramenait des survivants en mode ouais vas-y cassez-vous et tout maintenant on a trouvé la solution ouais qu'est-ce qu'il y a. Ça marche beaucoup mieux que les surveillants hein. C'est très très efficace. Beaucoup plus efficace que les pions dans les collèges. Ça c'était avant, donc maintenant voilà, on a trouvé la new meta et c'est plutôt violent. Donc ouais, dans what the fuck. Allez, ouais, je me suis chié dessus, voilà. Hein. C'est officiel. Non, what the fuck. Là, clairement, je ne pensais pas ce genre de truc. Je n'étais pas là, ce n'était pas volontaire. De ma part. Attends, je vais prendre du CDR là, parce que j'ai pas assez d'ultimate en fait. Mais ouais, mais je suis con, pourquoi je fais pas de la CDR? Plus d'ulti, plus de kill, hein. À Marseille, c'est pas le Beretta, c'est la K-40 tête direct. Alors, tu sais, au début, je me suis dit, bah vas-y, je suis en mode putain strike, tout, j'ai fini l'arme. Mais non, en fait, en vrai, c'était pas ça. Hein. C'est genre, ouais, je pense que là, il a un Desert Eagle, là, je pense qu'il a un 5-7. Non, en vrai, c'est pas ça, en vrai, tu cours, hein, tout simplement. Et voilà, je te brûle mec, qu'est-ce qu'il y a? Clairement l'arc de Fukano dans Minecraft me fait moins peur. Hein. Parce que je sais que Fukano avec l'arc de Minecraft il ne touchera jamais. Et ouais mec, il veut pas se défendre Fukano. Il est vénère, là il va me spammer, voilà, il va écrire, donc on va cacher le chat, parce que bon, voilà, un mec en colère. Vénère le mec. Et là, je vous montre comment Fukano m'a payé. Voilà. Voilà. J'en étais sûr. Putain, je le connais par cœur quoi. Donc non, je vous rassure, c'est je n'y pas dans ses pensées. Oh voilà, c'est si gentil. Moi, ouais, je mets en mode sneaky. On a pu voir à maintes reprises hein, que je lisais à livre ouvert hein, dans Fukano. Enfin, ils sont tout dans ou en, mais bref. Attends, c'est une mission KS pour Skyheart ça.
c'est une mission KS pour Skyheart ça. Non. Fucking putain de Kogmo. Oh là 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 là. Putain mais je te brûle IRL moi. Je te sens mon gun mon petit. Ah bien. Débarre. Bon l'avantage, alors la question c'est qui gagne entre le mec du tram ou Miss Fortune. Miss Fortune a deux guns. Eh ouais. J'ai mon idée. En tout cas j'ai envie de dire, là c'est plus de la balade, là c'est du slalom quoi. Donc les mecs en face là, ils n'étaient pas présents. Ils n'ont pas réussi à arrêter la horde de la Skyheart Army man. Impossible, on peut pas nous stopper mec. Attends, on est parti là, on est parti mec. Par contre la veille là ça me casse les couilles. Tiens avec le gueule de passe. Allez sans les mains Cartus like. Oh là là le beau jeu. Mais ça marche pas, ça pas eu de sens. Et même si tu cancel le truc de Kogmo, bah tu TP quand même, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'il y a mec? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là Kogmo là? Qu'est-ce qu'il y a? Putain! Holy fuck dude! Il m'a main game. Ah bah voilà! La relève! Oh! Oh! The Bateman! Il s'est tellement fait jambonnette le mec! Jambon gaming, en plus voilà, c'est l'exécution. Well played. Ah il m'a craché dessus là j'avoue. Dans le jeu hein, bien sûr. Quand même il est fluide et a du staff normal qu'il fuit. Je suis assez d'accord. Mais bon voilà, soyons manières aujourd'hui. Nous voulons du beau jeu. Ciao. Oulala. Attends, une seconde là. Putain, pourquoi j'ai pris ces bottes de merde? Je voulais les bottes CDR, je l'ai dit en plus. Je devrais m'écouter foutu. Non. Oui. Oui. Oh là là. C'est la Berezina. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, on y va. Putain. Ça c'est pas la fistitude. Attends, Kogmo. Kogmo. Mon quadra clear man. Oh oui. Oh oui, laisse-moi mettre la boulette. Oh oui, la boulette. Oh la boulette. Putain, avant je bossais dans les cantines. Qu'est-ce qu'il y a mec? What? Et voilà mec, je l'ai tellement vu venir. Easy man. Attends, on va pas push. Attends, ça y est, ça a écrit. Fukano qui se défend encore. Ah, Julien qui vient me voir. Qui veut se faire dépuceler des ranked avec plaisir. What? What? Putain, j'étais bloqué quoi. Ça y est. Ça y est, voilà. On voit une Miss Fortune en bottine là. Ça y est, ça branche direct les mignons quoi. Comment il cave? Comment il cave? Et voilà l'ulti. The Fiddlesticker. Oh oui. Oh oui la boulette. Non. Il s'est mis derrière. Oh là là le mind game. Mind. Bon, c'est quand même item, m'en suis jamais servi hein. C'est plutôt pas mal. Attends mais. What? Ah merde. Oh là là le comeback. Eh bah ben non. Non non. Non 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 non. Et GG well play. Yo t'es ok. Et voilà. GG double VP. Merci les gars. C'était très sympa. Donc très très bonne game. Donc en plus voilà, c'était une game un peu détendue hein. C'était for the fun man. Donc c'était Skyheart les gens. Mon Facebook est en dessous du stream. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de mon ami Gigi et moi-même. Donc mon Facebook c'est celui-ci. Je réponds à vos questions à part les questions d'ordre sexuel puisque ça je ne pratique pas sur Facebook. What? Donc non mais vous pouvez poser vos questions, vous pouvez me rejoindre. Et on se rejoint pour d'autres games les gens. Merci à vous les gens d'avoir participé. On se retrouve juste après une petite pause d'une minute trente les gens. Et on va partir dépuceler le grand patron de
Eclipsia alias Rurke Rage qui va venir vous mettre la quiquette à vous aussi, oui, parce que bientôt il est challenger double étoile numéro 6. Donc voilà, le premier flocon c'est aujourd'hui, c'est tout de suite, c'est juste après. À tout de suite les gens pour la suite du stream.